Avant la réforme en 2005, le système foncier de Madagascar est basé sur la présomption de domanialité. Tous les terrains libres qui n'ont pas de propriété reviennent à la possession de l'État et tous les terrains privés doivent avoir un accord avec la puissance publique. Et alors que avoir un titre, c'est plutôt difficile pour les paysans. Faire un titre coûte très cher, environ 500 dollars, et avec une durée environ de 5 à 10 ans déjà. Alors, en 2005, l'État malgache, avec le programme foncier national, a essayé de rapprocher les droits coutumiers avec les droits légaux. On essaie de décentraliser la gestion foncière au niveau local. Car en effet, depuis des années, la procédure d'immatriculation, toute la formalisation juridique autour du foncier était en complète contradiction avec les pratiques locales paysannes. On a donc créé à cet effet un certain nombre de guichets fonciers qui ont été donc installés au niveau de chaque collectivité territoriale et donc de la commune. Il y a un certain nombre de bailleurs de fonds, notamment le MCA, qui ont pris part dans le processus et qui ont investi de manière assez massive dans les moyens. Des moyens donc mis à la disposition des agents du guichet foncier afin donc de procéder à la reconnaissance légale de la propriété privée. Là, juridiquement, c'est assez fort parce qu'on va reconnaître des mises en valeur. Donc si un individu ou un paysan a mis en valeur un territoire pendant 7 ans, donc il a pu cultiver la surface, donc la travailler, eh bien, on lui reconnaît la propriété et à cette occasion, donc, on lui délivre un certificat foncier. Et ça, c'est ce que font les guichets fonciers. Et c'était au début donc, une approche plutôt descendante, une approche des bailleurs, une logique de projet qui consistait à sélectionner un certain nombre de communes. En revanche, en 2009, donc, il y a eu cette fameuse crise malgache et les bailleurs de fonds se sont retirés de manière précipitée. Donc, ça a été particulièrement laborieux pour eux financièrement de maintenir leur structure et de continuer à assurer cette mission de service public. Toujours dans cet axe de la réforme, une enquête sur l'effet de la réforme foncière a été menée en 2011 sur 9 communes et dans 3 régions, région Diana, Faknankaraj et Menabe. Et on a choisi plutôt Manandoun. Les superficies moyennes par usager ici sont particulièrement faibles, donc de l'ordre de moins d'un hectare. Et donc il y a une particularité foncière en fait du Vaknankaraj qui ressort et qu'on a cherché à mesurer en venant donc dans cette commune. À Manandoun en fait on a 1545 demandes qui ont été formulées en l'espace de 4 ans, ce qui est assez colossal. Et ce qui a favorisé ça en fait, ça a été les campagnes KTM, ce qu'on appelle le Karantan Malak, qui en fait était une campagne de promotion tarifaire. Donc il y a eu deux phases. La première a été lancée donc en 2008, quand le MCA était là. Les 3000 arrières ont donc été lancés et on a fait aussi une campagne de sensibilisation gigantesque à l'échelle des Fukuntan. Donc les usagers ont tous accouru, il y en a qui ont hésité, il y en a qui étaient enthousiastes. Donc dans cette mise en place, beaucoup de demandes ont émergé. Après, il y a une deuxième phase qui a été faite lorsque le MCA est parti. Et en fait, la finalité était de continuer à faire tourner le guichet et de continuer à collecter des demandes et donc de persévérer dans cette finalité de sécurisation massive en fait, des usagers. Le guichet foncier a été coopté du coup par l'institution communale, ce qui était la finalité bien sûr. Les agents du guichet foncier sont à présent salariés par l'institution communale. Ils sont aussi tenus par les difficultés financières qui pèsent également sur la commune. Et puis il y a toujours ces demandes issues de la campagne KTM qui sont en suspens, qui n'ont pas été liquidés et qu'on essaye de traiter de manière progressive. Il est fort à parier en effet que le guichet foncier va continuer à exercer ses fonctions dans les années à venir. Mais les challenges sont conséquents et ça c'est quand même une incertitude qui pèse sur l'avenir des guichets fonciers d'une manière générale. D'abord, lorsqu'un usager veut certifier sa parcelle, il doit d'abord élaborer une demande manuscrite. L'agent du guichet foncier va enregistrer sa demande et il y aura 15 jours d'affichage afin que tous les voisins, les Rayamandjin ou les usagers
du Funktang puisse faire des oppositions, si on a. Et après 15 jours, si on n'a pas d'opposition, il y aura ce qu'on appelle reconnaissance locale. Pour la reconnaissance locale, on doit convoquer tous les parties prenantes, c'est-à-dire les voisins, les Rayamandjin, qui connaissent l'histoire de toutes les parcelles environnantes, et aussi le président du Funktang, les comités du Funktang et l'usager en question. Alors, la commission de reconnaissance locale, c'est une invention assez ingénieuse en fait, parce qu'elle permet d'associer les experts locaux, les gens qui ont eu la parole dans la gestion foncière, au processus de reconnaissance locale et du coup de générer un consensus social autour de la propriété foncière. Cette commission de reconnaissance locale, lorsqu'elle se fait sur le terrain, bien sûr, elle peut se heurter à des oppositions. Quand on a interrogé bon nombre d'usagers, en tout cas à l'échelle de Manandoun, beaucoup nous ont dit que les conflits avaient plus ou moins explosé au moment de la certification. Et en fait, c'est vrai que le certificat foncier révèle un conflit latent. En revanche, il le règle aussi, c'est-à-dire que la certification, à travers ces commissions de reconnaissance locale, à travers les médiations qui sont faites à l'échelle de la commune, permettent de régler ces conflits et du coup de sécuriser l'usager dans son droit, dans sa propriété.